Ma perception par rapport à la compétence en communication orale, avant tout, je suis intimement persuadé que la communication est la base de toute relation à long terme. Il existe naturellement différentes sortes de communication, différentes phases de communication dans lesquelles interlocuteurs et communicateurs, on va dire, vont devoir échanger, proposer, demander, négocier, même parfois vendre ou expliquer. Donc voici à mon sens les fondements d'une bonne communication orale. Avant tout, la compétence polyvalente qui est exigée, je pense, est la remise en question et l'analyse et l'observation de chacun et de considérer que notre vérité n'est pas la vérité de la personne qui est en face de nous, que chaque vérité est relative et non pas absolue. En prenant ce paramètre, on commence à réfléchir sur soi-même, on écoute, quand on dit on écoute, pas juste de l'écoute active, on va pratiquer l'écoute ciblée sur les points forts qui correspondent à notre modalité dominante. Donc voilà comment je pourrais définir ce genre de choses-là. Comment on pourrait évaluer la compétence de la communication orale d'un individu? À mon avis, là encore, c'est l'écoute, c'est l'observation. L'écoute à travers certaines structures de langage utilisées qui vont nous donner énormément d'informations quant à l'état d'âme de la personne et éventuellement son niveau académique. Je vais prendre un exemple précis. Une personne pourrait faire beaucoup d'utilisation d'absolus. Ce que j'appelle les absolus, ce sont des mots qui ne tiennent pas compte de l'exception, comme jamais, toujours, personne, rien. Dans une conversation quelconque, l'utilisation exhaustive de ces mots-là donne au formateur de nombreuses informations sur l'état de la compétence en communication orale. Bonjour, je m'appelle Éric Bon, formateur à l'agence Hélène Roy. Je suis honoré de participer à l'élaboration des trousses en compétences essentielles, communication orale et travail d'équipe.